Salut les pros surfeurs, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo avec une planche en plastique. On a acheté il n'y a pas très longtemps des planches en plastique, plus précisément des torques et des planches en mousse. D'ailleurs, si vous le savez pas encore, on a une école de surf avec Enjoy Chelsea là, en Guadeloupe. Donc si vous êtes dans le coin, si vous avez envie de prendre des cours de surf, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Vous avez le site internet pour réserver des cours de surf, surferenguadeloupe.com. Et si vous voulez nous contacter sur Instagram, l'école de surf c'est JCK Surf Coach. De toute manière, je vous laisse tout ça dans la bio. À la vidéo, on vient d'acheter des planches torque. On a acheté des 6 pieds, des 6-8, des 7-2. Dans cette vidéo, on va essayer de tester la 7-2 torque qui fait 53 litres. On va aller essayer ça sur la plage du LE. On va voir si ça tourne bien, si on peut envoyer des tricks. La planche a l'air un peu grosse, elle est un peu litrée, mais je pense que ça va le faire. On va essayer de faire des airs. Mon objectif, c'est de réussir à mettre au moins un petit air simple. C'est pas gagné, mais bon, on va tenter tout ça. D'ailleurs, mets-moi en commentaire juste en dessous la figure que t'aimerais faire à la fin de l'année. Et vu que t'es lancé, tu peux mettre le petit pouce bleu, t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche. Apparemment, ça porte chance. Maintenant que tout est dit, tout est fait, on se retrouve dans l'eau pour tester la planche. En route!
Les vagues étaient super fun, vous avez vu. Un petit peu de vent, mais bon, les vagues étaient super cool. La planche, franchement, elle marche bien. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais franchement, j'ai bien aimé. Malgré le gros litrage, 53 litres, c'est quand même beaucoup. Et elle tournait super bien, elle avait de la relance. Franchement, ça vaut le coup. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des nouveaux défis, une nouvelle idée de vidéo, pensez à mettre le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Ça fait plaisir et ça coûte rien. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les pro surfeurs, youhou!